Bonjour tout le monde. Hello, hello. Ça me sent bizarre un peu comme ça. Coucou tout le monde. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Alors, normalement tout le monde a l'air d'arriver, c'est plutôt cool. Vous avez l'air de nous entendre. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous nous entendez? Coucou Daniel, coucou Sandrine. Hello Martine et Muriel. Alors, vous avez vu, je ne suis pas toute seule, mais je vais vous dire qui c'est tout de suite. Je laisse juste le temps à tout le monde d'arriver tranquillou. Coucou Gazelle, hello Isabelle. Coucou Fatou, la tricheuse. Tu peux répondre, hein? Coucou. Bonjour Tata Raymond. Je te remercie, Marlotine. C'est toi? Oui, c'est moi, Tata Raymond. Coucou Jocelyne, bonjour Sandrine, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour le live 85 pour réaliser ensemble un cube gourmand. Zut, on les a oubliés déjà. Ah, ouais, on va chercher. Ouais. Bonjour Laetitia, bienvenue. Alors, donc je disais, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live créatif pour réaliser un cube gourmand qu'on a dû prendre avec nous. Voilà, comme des petites malines. Voilà. Hop, on vous montre ça tout de suite. Attends, tu voilà, dans lesquelles vous pourrez mettre un petit Ferrero. Coucou Fabienne, excellent. Attends, en pause, mais pas longtemps. Oh, bah alors profite de ces quelques minutes, ma petite Fabienne. Bonjour, l'autre Fabienne. Alors, je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent pour la première fois, d'abord, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous passerez un bon moment avec nous, et puis n'hésitez pas à me faire un petit coucou justement dans les commentaires pour me dire « Coucou, c'est la première fois !» J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je suis donc Harmonie Marais, je suis démonstratrice chez Stampin'Up depuis janvier 2020, et on se retrouve... Et on se retrouve chaque semaine le mercredi à 14h pour un live créatif. Bonjour Isabelle, coucou Daniel. Alors, qu'est-ce que tu dis Daniel? C'est minuscule, faut pas être gourmand. Oui, mais imagine, des petits jeunes par exemple, qui ont des petits espaces sur les petites tables, ça peut être super idéal justement. Bonjour Claudine, comment es-tu? Coucou, c'est la première fois, nous dit Sandrine. N'importe quoi. Non mais alors. Alors aujourd'hui, cette semaine, ce n'est pas Lily qui est avec moi, mais c'est ma petite Clémence, ma petite belle-fille qui a 14 ans, et qui va pour une fois s'est dit, tiens, on y va, on le fait ensemble. J'ai mon siège qui se casse. Je peux finir par tomber. Il penche. Bref. Donc voilà, donc cette semaine, Clémence m'accompagne, mais elle va carrément vous réaliser en fait le petit cube gourmand. Alors. Je vous assure, elle s'est super bien entraînée. Et je vais même vous dire une chose, elle fait encore plus fort que moi, parce qu'elle connaît par cœur les mesures des papiers, les mesures des plis, où il faut couper, elle peut le faire les yeux fermés. Et elle n'a fait que deux boîtes. En fait, elle a carrément révisé avant. Elle connaît tout par cœur. Donc voilà, donc de toute façon, je suis à côté, il n'y a pas de souci, mais ça risque d'être sympa, vous allez voir, ça va être super facile. Oui, on s'est mise en Mère Noël aujourd'hui. Total rouge, voilà. C'est une couleur qu'on aime bien. Et puis, on est le 1er décembre. Donc, voilà. On a dit que c'était pas mal. Ça allait mettre un petit peu de gaieté. Bah oui, c'est la première fois du mois, dit Sandrine. Ah ouais, je te jure. Alors, quelques petites infos, comme chaque semaine, vous savez, avant qu'on démarre la création. Aujourd'hui, ce sont les liquidations du mini-catalogue août-décembre. Donc, vous avez jusqu'à moins 50% de réduction sur certains produits donc, de ce mini-catalogue. C'est vraiment le moment de se faire plaisir. Ne tardez pas trop, ça part comme des petits pains, c'est un truc de fou. Donc, surtout, ne tardez pas, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Et n'oubliez pas le code hôtesse. Vous verrez, au-dessus de la publication, vous aurez donc ce code et le lien vers la boutique. Et vous le voyez à l'écran, les liquidations, mais il y a aussi des nouveaux produits dans le coin des bonnes affaires. Et là, on a des réductions jusqu'à moins 70%. Donc, bah, allez-y, foncez, c'est le moment. Faites-vous plaisir. Coucou Amandine, tu vas bien ma belle?
Alors, Laurence, coucou, bonjour jeune fille, et bien tout le monde, un peu en retard. T'inquiète pas, ma Laurence. Ça va ? Ça va. Bon, super. Vous le savez aussi, là, en étant démonstratrice, la chance que j'ai, c'est d'avoir déjà, dans mes petites mains, le mini-catalogue qui va sortir en janvier. À chaque live, tu vas rajouter un accessoire, je suppose. Muriel, non, il y a un moment où il faut que j'arrive encore à bouger, si tu veux. Donc le bonnet, déjà, c'est pas mal, j'ai déjà très chaud. Toi aussi, hein? Ouais, parce que entre les lumières, les portes fermées, le petit atelier, je pense qu'après le live, on va avoir bien chaud, il n'y a pas de problème. On n'a même pas besoin de faire de sport aujourd'hui. Alors, quelle heure parfumée vous vous ressemblez? Ah, alors, c'est très gentil, nous sommes très touchés, mais je ne suis pas la maman de Clémence, c'est ma petite belle-fille. Voilà, c'est la fille de mon mari. Voilà, mais c'est un peu comme ma fille, hein. Bah oui. Hein, bah oui, et elle a sa maman. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça m'a donné chaud, dis donc. Ouais. Donc, le mini-catalogue. Donc, ça y est, j'ai passé les commandes pour pouvoir vous les envoyer. Si vous n'avez pas encore rempli le formulaire, mais attention, si vous n'avez pas déjà une démonstratrice, parce que vous le savez, vos démonstratrices prévoient déjà de vous envoyer un exemplaire. Si vous n'en avez pas encore, je vous propose de vous envoyer votre exemplaire avec la brochure Celebration aussi. Vous allez voir, je vous explique tout ça. Donc, vous avez pareil, en haut de la publication, là, au-dessus de la vidéo, le lien pour remplir le formulaire. Donc, si vous êtes déjà ma cliente, pas la peine de le remplir. C'est déjà en cours de préparation. Si vous avez déjà une démonstratrice, elle va vous l'envoyer. Ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous avez envie de découvrir Stampin' Up, de découvrir les produits, de me découvrir un petit peu aussi, eh bien là, par contre, remplissez le formulaire et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Je peux d'ores et déjà vous montrer la couverture, parce que c'est tout ce que j'ai le droit de vous montrer pour le moment. Les mères filles de cœur se ressemblent parce qu'elles sont en osmose. Oh, comme c'est joli, ça. Je suis assez d'accord. Coucou Nathalie, je t'avais pas vue, tu vas bien? Bonjour Sandrine. Tu as raison, c'est 100% de la guérison. Quelques minutes. Ah oui, Tata Raymond a chaud. Oui, Tata Raymond a chaud. Ça suffit, hein. Vous pourriez me trouver un meilleur surnom quand même que Tata Raymond, non? Ça va rester, ça c'est clair. Hein. Alors, est-ce que tu es prête? Ouais. Ok. Alors, on va retourner la caméra, on va vous montrer le projet et puis on va démarrer. Hein. Vous allez voir, c'est super facile. Hein. Ouais. C'est super facile. Allez, hop, on y va. On est toujours à l'image quand même. Mais du coup, voilà, ce sont les petites mains de Clem que vous allez voir sur l'atelier. T'as cette place, Mamie, c'est bon? Oui, ça va le faire. Ok. Alors, vas-y, je te laisse remontrer les petites boîtes. Oh, ah. Vas-y, remontre celle-là, okay. Par exemple. Celle-là? Ouais, celle-là, j'aime mieux celle-là. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas grave. Tu peux rapprocher un peu de la caméra. Et du coup, pile poil pour mettre un petit Ferrero dans la boîte. Quelle est la petite particularité du papier uni? Là, qu'est-ce qu'on a fait dessus? Il est avec un... Embossé. Embossé, c'est le mot. Embossé. Avec ça. Oui, faut que tu mettes bien ça. Voilà, embossé à froid, le papier uni, pour changer un peu, pour lui donner un petit peu de volume. Donc ça, c'est super sympa. Ah oui, pas de problème Nathalie, pour le replay, bien sûr, pas de souci. Nickel. Donc du coup, vous voyez sur le petit cube, voilà, on voit, je vais essayer de rapprocher un peu, mais... Non, ça ne veut pas zoomer. Hein. Non, bon, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Mais donc, le papier est embossé avec les petites étoiles et les petits carrés. J'arrive pas à rattraper le Ferrero dans la boîte. Eh ben non, tu peux pas. Et du coup, si on enlève le ruban, on enlève en douceur. Voilà. Donc, le papier fenêtré qui laisse apparaître le petit chocolat. Et ça s'ouvre comme ça. Et c'est magique. Voilà, voilà. Alors, sur l'événement, vous le saviez, vous aviez la liste du matériel à préparer. Mais bien sûr, Clem va vous rappeler les mesures de chacun des papiers qu'elle va utiliser. Et bien sûr, les mesures des plis, etc. Évidemment. Il y a plus, on a trop... Oui, Fabienne, on aurait bien aimé que tu puisses rester aussi, mais peut-être que bientôt, tu vas avoir des vacances et que peut-être ça tombera
pendant un live et que tu pourras le faire en même temps, ça serait cool. En tout cas, bon courage à toi. Oui, il est sympa le système d'ouverture. C'est vraiment tout simple, il n'y a aucune difficulté. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec quoi? Avec le premier papier uni, donc celui-ci, qui mesure 11,3 par 11,3. Donc c'est un cas, j'arrive pas à centrer là. C'est bon. Donc il est embossé avec ce qu'on a montré avant, et ce sera la boîte. Exact, la base de la boîte. Ensuite, il y a le papier argenté brillant, qui mesure 8 par 5,3 et qui servira donc à faire l'ouverture avec le petit bout. Et bah, c'est tombé. Attends. Le petit bout de papier fenêtré. Voilà. Qui mesure 3,8 par 3,8. On ne voit pas bien là parce que. C'est un peu transparent. Mais. C'est clair, regarde. Ah oui. Avec la main, ça passe très bien. Voilà. Après, il y a le ruban qui mesure à peu près 30 cm pour faire les décos avec la petite étiquette où il y aura le petit tampon. Et ça, ce ruban-là, moi, je l'aime vachement parce qu'en fait, il est tout brillant. Il est trop beau. C'est noir organza, il est pailleté et il est vraiment super sympa. Donc du coup, on pensait que ça allait bien avec le blanc. Ouais. Ça fait un joli combo. Mais j'arrête de t'embêter, vas-y, à toi. Alors, pour commencer, il faut faire le pliage du premier papier uni sur chaque côté. Donc, le pliage, il va le faire à 3,8 en partant du bord. Et à chaque fois, tourner un quart de tour pour faire les quatre côtés. Donc, ouais. C'est voilà. Ça qui passe. Donc, 3,8. Mets ce ruban dans tes cheveux. On le verra pas dans mes cheveux, il est trop noir. Voilà, est-ce que. Toi, tu es plus, hein. Un petit peu. Ouais. Mais le blanc, ouais. Ouais. 3,8. Donc, ensuite, on fait pareil, on tourne un quart pour pouvoir faire sur chaque côté. Merci Sandrine. Sandrine nous a remis aussi les mesures dans les commentaires. Ah, un ruban rouge. Ah oui, mais alors les cheveux tellement épais qu'avec ce genre de ruban, j'ai intérêt d'être solide parce que... Ça va faire... Pas sympa. Ouais, hein. Ouais. Non, j'ai les cheveux trop épais. C'est hallucinant. Un simple élastique, je peux pas faire... Je peux faire un, voire deux tours, mais pas plus dans mes cheveux. Et le dernier... Voilà. Nickel. Donc là, il y a les quatre plis de fait. Donc ensuite, il faut découper les languettes sur ce papier pour pouvoir former la boîte. Bah, si tu veux, tu peux mettre... Je fais les découpes. Ouais, tu fais tes plis avant sur ton papier arrêté. Comme ça, tu mets ça de côté, tu auras plus de place, puis tu pourras faire toutes tes découpes au ciseau après. Ok. Donc maintenant, on va passer sur le papier argenté. Donc, est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, il faut prendre la plus longue mesure et faire un pli à 2,5 cm. Merci. Je t'en prie. Avec plaisir. Oui, ma routine, il est omis le ruban organza. Et voilà. Donc là, il y a le pli fait. Et on a fait tous les plis. Ensuite, sur le grand papier. Non, il manque des plis, ma Lucie. Des plis? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? La petite croix. Tu sais? Ah oui. Ah, la petite croix. Ah, tu veux le faire avec le. Oh, je me suis jamais servi. C'est vrai. Autant pour moi. C'est vrai. Pardon. Donc, oui, il reste un pli qu'il faut faire en diagonale pour former une croix, donc sur le carré. Alors, comment j'ai fait? Donc en fait, la diagonale, elle part du pli qu'on a fait à 2,5. Donc d'ici à là, vous faites une diagonale en pli. Et ici aussi. On ne part pas du bord du papier, mais bien du carré. Du pli ici, ouais. Voilà. Là. Nickel. Et le dessus. La technique de l'ennemi, c'est ça. Oui, très
très intelligent. Voilà. C'est ce que je lui ai dit. J'ai une chien très intelligente. N'est-ce pas? Voilà. Et là, normalement, on va filer les plis. Oui, cette fois, c'est bon. C'est très bon. Coucou Muriel, tu vas bien, ma belle? Oui, pas de problème pour le replay, t'en fais pas. Attends, il m'a manqué un bout. Ça sera bien. Oui, t'inquiète, pas de problème. Alors, là, on peut passer au découpe. On a fait les plis. Exactement. Donc, on reprend le papier uni. Et il faut donc former des languettes qui seront comme ça, comme ça, comme ça. Donc, pour former les languettes, il faut couper sur chaque côté ici, toujours en tournant un quart et en coupant le côté, pas opposé, mais... Si, perpendiculaire. Perpendiculaire. Voilà, je vous mets ici, j'espère que vous me verrez, voilà, le schéma. Donc, il faudra réduire aussi les petites languettes, mais ça, elle va vous montrer aussi. Donc là, ce que tu peux faire, c'est peut-être marquer tes plis un petit peu mieux pour faciliter, ouais, si tu veux. Avec ton... Voilà. Donc, le pliloir. Exactement. Là. Ça rend bien, hein, l'embossage. L'embossage est trop beau. C'est vraiment super. C'est fou ce que ça te rend bien. Ces plaques là, ouais, ça habille tout le papier, c'est vraiment génial. Coucou Nati, ça va ma belle? Tu peux dire coucou à Nati. Nati, elle est un peu folle. Tu vois la chose qu'elle a là, ça? Elle dit qu'elle a, elle l'a avec le fémur de son mari. Le fémur. En os de fémur. Ah, ça, ça ressemble au fémur. Ah, elle l'a taillé dans le fémur de son mari. Voilà, voilà. Ah, il y a justement le pliage là. C'est mal formé le pli. Non, c'est moi qui ai pas mis tout droit. Mais si je fais tes découpes, ça va le faire. Ok. Ouais. Là, il n'est pas beau le pli. Moi, tu vas pouvoir le rattraper, t'inquiète. Alors, c'est parti pour la coupe. On coupe. Un peu seulement. Alors, il est complètement barjot, tu préfères. Ok, donc la tarte fournée est pareille. On découpe toujours le même pli qui est sur la gauche face à nous. Non, non, ça ressemble pas. Je le taille. C'est... elle dit que c'est. Elle ne se contente pas de dire que ça ressemble le pli, mais que oui, elle le taille à chaque fois dans le pli. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent juste un instant, d'abord bienvenue. N'hésitez pas à faire un petit coucou. On est là aujourd'hui avec Clem pour vous présenter donc le petit cube gourmand dans lequel vous pouvez insérer un petit Ferrero, idéal pour les petites tables de fête, parce qu'on n'a pas tous des grandes tables géantes, hein, je suis désolée, voilà. Du coup, c'est assez sympa pour mettre sur la déco de la table. Je te laisse continuer. Donc ensuite, quand on a coupé les petits bords, il faut faire les languettes. Donc, pour commencer, on coupe en long. À peu près à la moitié. À peu près. Et après, on fait deux petites languettes sur chaque côté pour pouvoir... On bisote les languettes. Ouais, tu l'apprends en bouche. Ah, ben voilà. On apprend tous les jours. Bon coiffeur, Isabelle. Profite bien de ce moment. Coucou, Ni, t'as bien raison. Coucou, Christelle. Comment ça va? Nickel. Ah, c'est vrai que t'es gauchère. C'est plus pratique pour toi dans ces cas-là. Ouais. Gauche galère. Ça. Bah ouais. Comment ça? Bah moi, avec ma main droite, quand il faut couper sur la gauche, galère. Ah. Ouais, bah, tu vois, Marie, elle dit pas évident de se craper quand on est gauchère. Non, ça va. Hein. Non, franchement, ça va. Elle gère. Ça va. Tout n'est pas forcément adapté aux droites, aux gauchères, je suis d'accord, par rapport au matériel. Mais bon. Coucou Rachel, tu vas bien ma belle? Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Puis tu verras le début en replay, il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs, pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, sachez qu'à la fin du live, à chaque fois, vous aurez donc sur le blog harmoniescrap.fr la fiche technique du projet, la vidéo, la liste du matériel qui aura été utilisé pour le live. Donc vous retrouverez vraiment tout ce dont vous aurez besoin pour refaire le projet si vous n'avez pas pu le faire en direct. Coucou Annie, comment ça va? Gazelle dit que tu gères bien. Salut. Merci beaucoup. Ah Nati, et bien Clem, c'est ma petite belle-fille. Voilà, c'est la fille de mon mari.
qui a 14 ans, le même âge que mon deuxième fils. Et Lily, oui, elle va bien. Lily, elle est dans son coin là-bas, elle avait dit qu'elle ne voulait pas aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, elle reviendra. Donc là, bah maintenant, on peut fermer la boîte. Voilà, rien de compliqué. Là. Rien de compliqué. On rentre les petits. Parce qu'on vient de couper à l'intérieur. Et après, il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Donc ça donne ça. Et comme là, le papier est un peu embossé, très embossé d'ailleurs, en général, on conseille de mettre du double face sur les languettes. Comme ça, on est sûr que ça tiendra mieux. Ok. Donc je mets du double face. Et voilà, que tu as là-bas. Je sais. La fille de chouchou. Oui, c'est la fille de chouchou, c'est ça. C'est cool. Alors, j'en mets pas long, j'en mets deux ou non. Ce que tu peux faire. Allez, là. Moi, je vais te le montrer en droitier. Voilà, fais-le, montre-moi. Oui, tu m'avais montré ça. Ouais. Voilà. Tu le poses, puis il se découpe facilement. En fait, tu peux le découper okay. Juste avec nous. Tu vois, hop, tu t'arrêtes un petit peu avant pour pas que tu sois embêté. Ouais. Et tu fais ça sur toutes les languettes. Okay. Ça alors, en tant que boucher, on va oui, bah, il faut que tu fasses à l'opposé toi aussi. Ouais. Là. Comme ça, et là. Ouais, c'est ça. Un tu mets peu, bien ton. Peu. Attends, je vais te couper, c'est bon? C'est bon. Là, ouais. On découpe. Voilà, exact. Nickel. Je te l'appuie. Ça va tout le monde? Vous arrivez à suivre? N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît. Hein, ça serait nous fera plaisir. Une envie de ouf. Trop plaisir. Bon. Et, ah. Puis, et puis, elle me dit si tu vas bien. Ouais, on va prendre une autre. Hop. Et hop. Nickel. Hop. Ensuite. Allez, on va mettre un peu comme ça. Donc, ce que tu peux prendre, c'est la pince. Ouais. Et ça, c'est vachement pratique. Quand ça veut bien, ça va tout seul. Ça va tout seul. Elle gère, bien. Bah ouais, elle gère super bien. Un live à 4 mois, exactement. C'est assez sympa. C'est vrai, non? C'est cool. Oh, ouais. C'est moins long en plus. Je me sens moins seule. T'as déjà une bonne compagnie. Ah là, j'ai une super compagnie. Là, c'est ils sont plutôt calmes hein, aujourd'hui, je trouve. Mais c'est parce que t'es là. Ouais. Ils veulent pas te perturber, je crois. Parce que d'habitude, ils me font pas de cadeaux. Mais c'est pour ça que je les aime aussi. Hein. Hop, est-ce que j'ai tout défait? Et ben non, il me reste. J'en ai fait plus. Ouais. Non, non, il n'y a pas plus non. De l'argent. Il va bien, en tout cas, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression d'être la couleur de mon t-shirt. J'ai chaud. Ah, j'ai chaud aussi là. T'as vu, je t'avais dit, hein. Non, c'est pas. Alors, je sais, la boucle. La cheveux. Attends. J'ai le main qui transpire et qui glisse avec la pince. Ouais, là-bas, c'est ça, ouais. On ne veut surtout pas effrayer la jeune fille. Oh, n'inquiétez pas, hein, elle a du ressort. Oui. N'inquiétez pas, ça se défend, la petite. Pas de problème. J'ai ma muse qui essaie de griffer les mains du chouchou. Que... Ah. Voilà, ça y est, j'ai enfin tout tendu. Donc... Les habitants, mais fais attention. Non, ça va pas être possible, Claudine. Non, on va pas pouvoir poser là-haut, là. Ok, nickel. On colle les languettes à l'intérieur, voilà. Bien au bord. Puis là, avec le double face, ça va venir nickel, donc ça va être top. Voilà. Puis du coup, on s'en colle pas par les mains, c'est pas mal non plus. Puis ça déporte pas sur les côtés quand on est trop. Exactement. Bonjour, ça, Nicole. Comment ça va? Bienvenue. Donc là, on fait la petite boîte. Tout belle. Nickel. Ensuite, on va faire le chapeau. Le petit dessus avec le papier feutré. Donc là, il faut faire avec la règle qui est là, ici, et le crayon, il faut prendre donc, ce côté-là et faire un petit trait. À 2,7 cm. Donc. Voilà. Et 2,7 cm. Ça marque pas. Oui, c'est peut-être. Voilà, ceci, c'est bon, vrai. Ça va. Ça se voit à peu près. Et ensuite,
Il faut donc découper sur les deux côtés comme ça pour former un triangle. Oui, c'est ça. Bah, je t'aurais arrêté s'il y avait un problème. Mais tu vois, je ne dis oui. rien. Je ne dis rien, voilà. Et voilà. C'est pas cool. T'inquiète. Mais... Ensuite, il faut prendre comme ça et découper ce côté-là. Le trait qu'on a tracé. Donc c'est celui-là qu'il faut couper. Si je mets le schéma voilà, comme ça. Comme ça, il faut couper ce trait-là. Là, on vient de couper ici. On vient de couper ici pour former le triangle. Et il faut juste venir couper ici pour pouvoir faire l'ouverture. En fait, on va pour pouvoir le transformer en chapeau. On va vous montrer après comment le coller. Donc là, vous avez votre triangle qui est ici comme ça. Et vous venez couper juste le trait ici. Juste celui-là, vous vous arrêtez au centre. Hein. On ne coupe pas le tour. Juste, on s'arrête au centre. Ça peut arriver. Oui, je sais. Oh, ça aurait très bien pu m'arriver. Sandrine dit super belle maman qui, mine de rien, te fait faire des maths. Oui, les maths, la géométrie, ouais, carrément. Voilà. Nickel. Faut plier. Marque et plie. Marque et plie. Après, c'est dissertation en scrap. En thread. C'est bien, elle se prépare pour l'oral de brevet. Ouais, bon. Voilà. Donc là, on marque et plie. Ouais. Nickel. Celui-là. Là. Hop. Et lui, par contre, il est dans l'autre sens. Ouais. Donc, le petit triangle qu'on a coupé, il monte dans l'autre sens pour faire l'ouverture. Faut pas hésiter à insister avec le papier argenté, ce qui est beaucoup plus épais que les autres, que les papiers design imprimés, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Elle dit, tu vas devoir rédiger la publication du live. Ah bah oui. Ah bah là, oui. Pourquoi pas. Donc, quand on a coupé et formé les plis, celui qui est donc coupé ici, il faut le rentrer à l'intérieur pour former un chapeau. Et j'ai toujours ce problème de décalage. Oui, alors dans ces cas-là, ça vient aussi de ton pli, parce que le massicot fait parfois des plis un tout petit peu plus larges. Donc s'il a besoin vraiment, tu peux retailler le petit bout de triangle à l'intérieur. C'est celui-là. Voilà, hein, qui te gêne un peu, pour couper à peine un millimètre pour te faciliter les choses. Parce qu'effectivement, le massicot fait des plis un petit peu plus larges, donc parfois ça nous agace un peu. Je vais y aller. Ouais. Bonjour Corinne, comment vas-tu? Thèse, antithèse et synthèse. Oh! Il va falloir qu'elle apprenne, hein? Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, nickel. Il y a toujours moyen de rattraper quand on fait des créations comme ça. Toujours des solutions. Ah, donc là, ben, on peut coller. Ouais, donc en fait, on rentre le triangle et on vient le coller sur l'autre. Ouais, je pense que là, c'est aussi une bonne idée, parce qu'en plus, le papier argenté avec la colle, ça risque de glisser. Donc là, on est sûr qu'on a un meilleur maintien avec le double face. Ça, je te gêne pas trop. Non, ça va. Ça devrait être ouais. Un tout petit bout. Ouais. Hop. Ça va, je regarde du travail. La chipie. On dira rien. Jamais de problème, uniquement des solutions, Laurence. Oui, dans les créations, je suis parfaitement d'accord. La prochaine démo, le prochain live avec qui je serai. Oh bah, je pense pas que les garçons soient très très motivés pour venir avec moi. À mon avis, ils vont m'envoyer paître dans les grandes largeurs. Voilà, donc ah, chouchou peut-être. Peut-être quand il sera en vacances. Oh. C'est une bonne idée. On va le travailler au corps ce soir. Voilà. Donc là, on a fait le petit chapeau qui se collera. Là. Comme ça. Sur un côté de la boîte. Sur un côté de la boîte pour pouvoir l'ouvrir comme ça. Ça
ça va être trop joli. Le blanc dans les couleurs, ça va être trop bien. Avec le petit ruban en plus à la fin. Donc là, il nous reste à mettre le papier fenêtré. Qui s'est fait la malle. Qui s'est fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est bon, il est là. Et donc, il faut le coller sur la partie qui sera sur le dessus de la boîte. Okay. Comme ça. Donc, on a des petits points. Ouais, les glue dots, les points de colle, c'est l'idéal. Je suis avec ça. Ouais, ouais, nickel. Attention, si tu fais un live avec Chouchou, on va plus réussir à tenir les fils. Oula! J'arrive pas à l'enlever. Ah oui, mais... Alors, ça colle. Vas-y, je te laisse faire ça, parce que... Attends, on va en prendre un autre. En fait, il faut juste le prendre à la pointe. Il faut pas avoir tout seul, tu vois. Donc, quand vous posez vos points de colle, faites attention à ne pas dépasser de la moitié. Donc, il faut bien penser qu'à partir de là, toute cette partie sera visible ici. Donc, on fait attention à l'endroit où on pose les points de colle. Je vais remettre un petit troisième quand même. Hop. Nickel. Donc, il se colle ici. Chouchou, il a plus d'une corde à son arc. Oh, que oui! Il sait en faire des choses. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire l'assemblage du chapeau et de la petite boîte avec de la colle au bout. Double face. Double. Ouais. Okay. Donc, genre de, entre le papier embossé et puis le papier argenté, vraiment vaut mieux. Vaut mieux utiliser le double face. Coucou Karen, tu t'avais pas vu ma belle. Bon courage, tu reprends là, je crois. Sur lequel? Mets-en un petit bout en dessous. Oh, il y a plein de petits cœurs, plein de petits pouces. Ça, ça fait plaisir. Mon cœur me faisait timide hier quand il a vu la prof en chef et la CPE en visio. Bah oui, il faut voir les malins hein, quand ils sont devant l'écran. Ah, plein de petits cœurs encore, ça c'est cool. Oui, bah je sais, bon courage alors du coup, ma carrière. Faudra qu'on s'appelle un petit quart d'heure, ma belle. Quand t'auras du temps. Est-ce qu'il y en a qui font le live en même temps? Est-ce que vous ouais. scrapez en même temps ou pas du coup? Du coup, il y en a pas. J'adore. Nickel. Et voilà. Bah voilà, nickel. Ok, alors maintenant. Le petit ruban, plus la petite étiquette qui. Il veut pas venir. Qui veut pas venir. Qui est là. Qui met le ruban dans le petit. Ouais. Et donc là, ce sentiment-là, il vient du set de tampons pain d'épices et bonbons. Qui est là? Hop! Et celui-ci, c'est vraiment une collection qui est vraiment super sympa pour Noël, je trouve. Donc j'ai pris celui-là et en fait j'ai embossé avec, vous savez, hein, la poudre argentée à embosser. J'adore la poudre argentée. Enfin, la même, la dorée et la cuivrée. J'ai vraiment les poudres embossées, je trouve ça vraiment super bien. Voilà, avec les cadres. Je confonds festifs et festonnés. Non, c'est cadre décoré. Voilà, c'est un set de poinçons cadre décoré. Scrapé pendant le live, bien sûr que non, ce sera un sacrilège. Coucou Corinne, comment vas-tu? Gazelle, elle scrape en même temps. D'accord. Nickel. Si on scrape en même temps, on ne peut pas dire des bêtises à mini-chef. Tu vois, je te dis. Ouais. Comment je fais? Ouais. Eh bien, là, attends. Ça va bien. On va sortir un peu ça. Si je prends pas le bon sens de la boîte, ça va pas le faire. Ah, on va faire le nœud d'abord avant. Ok. Voilà. En fait, on n'est pas obligé de faire un gros nœud de ruban, on peut faire juste
Continuez, image là. Voilà. On a peut-être pris un peu short en ruban, mais on devrait y arriver. Coucou Lily. T'es demandé, hein. Bien, faire un coucou. Alors, hop. Tiens. On va mettre ça. Ouais, tu l'as accroché à l'envers. Oui, oh, ça va. Hein. Non, attends. Vas-y. C'est bon. Voilà, nickel. Et puis on va faire un petit juste un petit nœud comme ça. Hop. Nickel. Et puis on va faire une petite coupe. Il y a Nati qui te dit coucou. Viens. Viens. Nati, t'as la place derrière nous. Et pour que ce soit un peu plus joli, hop, je le plie en deux comme ça. Et je coupe en biais. Hop, voilà. Un bon fer à repasser et c'est reparti. Non mais celle-là, je te jure. Hop, voilà. Et ouais, ça rend vraiment super bien. Oh, bah écoute, félicitations. Merci beaucoup. Vraiment, on avait dit, ça allait être joli avec tous ces papiers. Et vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, ça brille. C'est super joli. Coucou Virginie. Pourquoi tu m'as pas cru? C'est pas cool. Mais si, je t'ai cru, hein. Donc, on a la version rouge. Pareil, hein, j'ai gardé les mêmes sentiments, donc tamponné en vert jardin. La version argentée, noire et blanche. C'est super mignon. Et puis, on avait donc le vert. J'ai enlevé le ruban, mais... Voilà, voilà. Ça nous fait 3 versions différentes. Bravo, chouchoute. Merci. Merci beaucoup. Claire, championne toute catégorie. Bravo. Merci. Félicitations. Moi, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Nous, on a méga super chaud, là. Mais alors, ouais, là, je vraiment méga super chaud. On va revenir up vers vous à l'image. Voilà, on est arrivé au bout de ce petit live créatif, bah, du coup, à quatre mains. Lange le chocolat, tu sais pas quoi en faire. C'est pas pour moi non plus, toi. Hein? Bah non, ça se voit. Merci, Gazelle. Du coup, t'as réussi à la faire en même temps, Gazelle? C'est top. Merci Fatou, merci Isabelle. Ouais, il y a encore plein de petits cœurs, donc ça c'est génial. Ouais, super. Eh bien écoutez, voilà, on arrive à la fin de ce live 85. Déjà 85, j'en reviens pas. Le temps passe à une vitesse phénoménale. N'oubliez pas donc en ce moment les liquidations du mini-catalogue, les nouveaux produits dans le coin des bonnes affaires. Donc, vraiment, vous avez des promos incroyable, c'est le moment de se faire plaisir. Et puis, bien sûr, l'inscription si vous le souhaitez, si vous souhaitez recevoir le mini-catalogue janvier-juin 2022. Les petites créations qui accompagnent le mini-catalogue sont pour beaucoup terminées. Voilà, donc on est en train de préparer tout ça. J'attends maintenant que le catalogue arrive. Si vous n'avez pas de démonstratrice, si vous voulez découvrir ce pin-up, si vous voulez me découvrir, eh bien, n'hésitez pas à remplir le formulaire au-dessus de la vidéo. Vous avez le lien pour vous inscrire. Et du coup, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà. Tu fais pas ton âge, du coup, 85. T'as vu ça un peu, donc je suis bien conservée. Ouais, dans quelques années, je dirai peut-être pas la même chose. Hein. On est bien d'accord? Voilà. Alors, merci à Clem et à toi pour votre bonne humeur. C'est merveilleux moment qui ensoleille toujours nos cœurs. Oh, ça, c'est gentil. C'est malin, maintenant j'ai envie d'un chocolat. T'as vu qu'elle allait faire des courses ou t'as vu dans les placards, Muriel? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci pour le tuto et le live. Bonne journée. Gros bisous, Fatou. Super live. Chouette idée pour décorer les tables de fête. Merci les mères Noël. ça va rester. Claudine, merci les filles et à la semaine prochaine. Bah, merci d'avoir été là, Claudine. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui puis d'avoir joué le jeu avec nous. D'avoir participé à ce petit moment créatif avec nous. T'as aimé? Ouais, beaucoup. Mais en tout cas, bravo parce que t'as assuré. Merci beaucoup. Pour un tout premier, franchement, moi je dis chapeau. Comme quoi, tout est possible. Hein. N'est-ce pas, Laurence?
Allez, je vous embrasse très très fort, toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, rendez-vous samedi pour la publication du prochain projet, donc à 11h. Et donc, mercredi prochain pour le live 86. Merci beaucoup, super petite boîte qui fait un effet wow. Merci Laetitia, c'est très gentil, je suis contente que ça te plaise. Bel après-midi à toutes et à tous, et à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir. Ciao, ciao. Bisous.